Yo tout le monde, c'est Ken, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, dans cette vidéo on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit solo vs squad. Avant de commencer, j'aimerais voir un petit peu le pass de combat. Donc normalement fin saison 10, il y avait des défis où on pouvait gagner le pass de combat. Mais là je comprends pas, et je l'ai pas. Je dois faire des défis pour gagner, puis il y a les trucs gratuits, les trucs qu'on doit payer en achetant soit le pass de combat, soit en achetant des paliers. Oh, ce sac à dos, par contre, j'ai hâte de l'avoir. C'est pioche aussi. J'attends d'avoir 200 V-Bucks. Il y a aussi le planeur qui est beau. Ça, c'est quoi? Ouais. Mais ça, quand on aura ça, vous savez quoi? Quand on aura ça, ce qui sera bien, c'est genre... quand quelqu'un sera par terre en sauveuse du on avant de le tuer, on fera comme ça. Ouais, ça provoque au moins. Ouais, il est joli ce taille. Oh, une traînée. Oh ouais, la traînée billard. J'avoue, elle est trop stylée. Ouah, ce fond d'écran aussi, il est gratuit, magnifique. Ouah. Ah ouais, il y a aussi un revêtement là. On va pas tout regarder parce que dans un pass de combat, l'arrière rien, il y a beaucoup de choses quand même. Je vais juste me regarder la bande-annonce parce que je l'aime bien. Voilà. Ça va faire patienter le suspense de la partie. Bon, sinon, à part ça, en vidéo, j'ai fait 17 kills à mon meilleur record là. En sauve squad. Et j'ai failli faire top 1, sauf que la tempête qui fait 5 par 5 et moi qui avais 40 PV, ben ça a pas marché. J'avoue, par contre, ce sac à dos il est trop bien. Et il a plusieurs styles, il y en a 3. Attends, c'est quoi la différence entre le deuxième et le troisième en fait? En premier, ok. Deuxième, d'accord. Regardez, après le troisième, c'est la même chose presque. À un détail près. Ok, let's go, on y va. Peace, mon pote. Ah ben ça marche pas. Donc oui, il y a la pioche Bambi qui a changé parce que ce matin, il y a une petite mise à jour. Où en fait, la pioche Bambi, elle a été un petit peu modifiée, la pioche Bambi. On voit que c'est qu'elle a pas le même style. Moi je trouve que c'est sympa de faire ça de la part d'Epic Games parce que genre les gens qui ont pas beaucoup de niveau, qui se disent oh pff, j'ai encore le skin Bambi, oh pff, ça m'énerve. Et genre les gens, pour avoir quelque chose, ils ont pas envie de mettre de l'argent et genre ils peuvent pas faire leur défi parce que voilà, ils sont pas très forts. Et bon moi genre en saison 11 là, enfin Fortnite chapitre 2 saison 1, le skin Bambi il a changé. Et là, il y a la pioche qui a changé, donc ça, on peut considérer ça comme un nouvel équipement, finalement. Et du coup, ben, c'est... Au moins, ça fait plaisir. Bon, regardez, elle est beaucoup plus stylée qu'avant, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, on va pas aller aux anciennes villes comme Retail, Prison Park ou quoi. On va aller autre part. Par exemple, Frenzy Farm, ça ressemble à Fatal, mais c'est pas Fatal. Et ça me plaît en plus, il y a une grande demeure. On va arriver avant tout le monde. Pour avoir une... avant tout le monde. Voilà. Là, je vais faire un atterrissage parfait. Là, je vais même pas passer au-dessus de la maison. Je vais... en avançant, je vais poser mes pieds dessus. Allez, on y va. Vite, 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 vite. Parce que les gens, ils se prennent vite une petite arme, là. Et ça, c'est pas bon. Cassé. Allez, on y va. Pam. Ok, je bois. Hop là. Allez, on y va. Descends.
comprends ça. Petit pistolet, on l'enlève. Ah tiens. Qu'est-ce qu'il croyait sûr? Ah, par contre, il avait un pompe-chasseur. Ça m'intéresse. Donc, on va repasser ça par les mini-potes parce qu'en fait, j'aime bien avoir le pompe tactique puis le pompe chasseur. Ah, il était là! Il y en a un qui va arriver là. Hep, 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 je t'enfuis pas. Oh, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est bon, il y a quelqu'un. Tu crois que tu vas m'avoir? Ok, donc on va récupérer tout ça. Ça, on fait du stuff, hein. Papapam. Miam, 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 miam. C'est bon ça. J'ai pas plus de soif que ça quand même. Mais par contre les rollbacks ça va pas le faire. Une petite boîte de mine là-bas. Ah, derrière ça, non? Dis oui. Ouais. Allez, on y va. Yes. Alors, on va remplacer ça. On va se mettre le shield. Glou 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 glou. Yes. Par contre, merci, mais je voudrais des balles de peupon. Ah ben regardez, il y a toutes les balles à l'intérieur de ça. Bam, balles de peupon. Oh yes, ça en a donné beaucoup en plus, hein. Parce que c'est vrai que le pompe, c'est une arme genre. Pour mon style de jeu, en tout cas, c'est indispensable. Ah, il y a un mec là-bas. Ah, il me faudrait un snipe. Ah, j'ai besoin d'un sniper. Oh, dommage que j'ai pas un snipe. Oh, j'ai vite envie de trouver un snipe, là, parce que genre, le gars, il est totalement à le découvert, là. On le voit encore. Oh, non! T'es sérieux? C'est pas gentil. Non, quand même, c'était pas haut. D'où j'ai pris un dégât. Ok, ça me fait 4 kills et c'est pas fini. 4 kills, c'est rien comparé à 17 kills que j'ai fait là il y a pas longtemps. Ah, un coffre. Ah bah oui, il est en dessus. Ben, je vois plus. Allez, en plus, dans cette saison, c'est facile à trouver un snipe. C'est une arme verte. Avant, les armes vertes, il n'y avait que ça. Oh, oh, il me tire dessus, là, je rêve. Qu'est-ce qu'il croit? Je suis mauvais en visée. Elle est encore un gars. Bon, celui-là, on va l'avoir au pompe chasse. Eh oh, tu t'en vas pas? Tu t'en vas pas? Oui, il court trop vite. Hein. Eh oh! Bon, il est. Pas leur courir après, c'est pas amusant là, laissez-vous faire et puis voilà quoi. Ah voilà, c'est pas plus facile comme ça.
On y va. Attendez, il y en a un dernier par contre là-bas. Et voilà. Dans cette maison. On t'a entendu. Allez, viens là. J'ai pas que ça à faire, te courir après. Vas-y, viens maintenant. Voilà. Eh ben. Et puis mes victimes de tout à l'heure, là, elles sont en train de monter là. Ah yes, c'est ce que je cherchais, tiens, un petit sniper. Hop là. Mais en plus, il avait du stuff là. Pourquoi il tire pas dessus, les gens qui ont du stuff? Donc c'est parti, il y a la tempête qui est en train d'arriver, donc hop, et non, ça va, on n'est pas loin en fait. Ouais, et puis il me semble qu'il y en a aussi là qui sont toujours pas morts, donc non, théoriquement j'ai plus de que 8 kills. Ah bah oui. Bon, de toute façon, ils vont se faire avoir par la tempête. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Bon, d'accord. Il y a quelqu'un. C'est parti, par contre, j'ai vu aussi là, un gars fuir. Juste ici, bah, c'est lui qui a dû prendre le bateau que j'ai vu là. Avec lui. Ok, il y a quelque chose ici. Hop, 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 bon, j'ai ce que je voulais, j'ai mon petit snipe. On va recharger, c'est important de recharger là. Maintenant, j'ai l'habitude de recharger parce que genre après, genre si t'es en plein fight et que t'as un manque de balles, puis c'est assez embêtant. Ça fait 9 kills, puis en plus il y a une de mes victimes quand j'ai dit, comme j'ai dit là, qui va aller mourir dans la tempête à un moment donné. Allez, on y va. Fais-moi une petite pente. Mais ceux de Frenzy là, parce que il me semble que j'ai plus de kills que ça, non? Je suis sûr, il y en a qui se sont fait réanimer. Parce que je suis sûr d'avoir plus de kills que ça, quand même. C'est quoi, les bandages, ça me sert à rien pour l'instant, puisque j'ai plus de 75. Ah, regardez là-bas. Bien ce que je pensais. Ouais. En espérant que j'y trouve un petit kit de soins, parce que ça m'embête un petit peu là d'avoir ça de vie. Allez, on y va, en espérant que je me prenne pas une balle de snipe, parce que moi j'ai pas fait un box exprès là pour ouvrir un petit lama. Ok, yes, il y avait du. Y avait... Ah non, c'était pas un kit. Ah tiens. Coucou toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Ce kill, il est magnifique. Voilà. Oh là là, ça m'aurait pas plu ça. Oh, ce skin, c'est le plus beau au monde. Non, ce kill, c'est le plus beau du monde. Oh, le gars. Mais le gars. Oh, il y a un poisson comme ça. Attendez, mais vous savez quoi? On va prendre ce poisson-là et on va voir s'il me redonne toute ma vie. Oh, yes. Vas-y, je garde ce poisson. Oh là là, mais le gars, mais le mec! Oh! Oh la balle de snipe, quoi! Oh, j'ai tiré un chouïa en face devant le bateau. Puis là, la balle, elle arrive, lui, il continue à avancer. Oh, il était magnifique ce kill. Oh là là! Ah ah ah!
Y a encore quelqu'un là-bas, il fait pas assez gaffe, il bouge pas assez. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Attends, il va être... Mais on tire pas d'ici avec un pompe chasseur. Viens, viens, viens. Et ils sont deux. Ah là là, zut alors. Bon, on va recommencer une petite game. Bon, ben j'avais... Ben j'ai fait... Ouais, j'ai dû faire 10 en skill. Bon, on va redémarrer une game même. Tant qu'à faire, il y a le bouton redémarrer. Ouais, mais les gars... Là, j'ai pas le seum d'avoir perdu parce que... le kill du bateau là, oh, ce kill là, eh. Je pense que je retiendrai toute ma vie, et puis si un jour je l'oublie de toute façon, j'ai ma vidéo. Oh là là. Ah là, j'ai le titre. Non, quoi que je vais pas mettre le titre, genre parce qu'il y a eu, d'autres choses dans la vidéo. Oh bon. Ça, je verrai plus tard le titre. Mais. Oh là là. Ah, les gars, j'ai trop envie de rire. Oh, ce kill. Oh, il était en bateau, quoi. Il était magnifique. Parce qu'il y en a peut-être qui regarderont la vidéo et qui feront... Ben, j'en ai déjà fait plein des kills comme ça, mais... T'aimes, hein, c'est un kill spécial, hein. C'est pas comme si tu faisais un corps à corps comme d'habitude ou un build ou quoi, hein. Et le mec, il était en bateau, il savait pas que j'étais là. Oh, la belle balle. Trop content. Bon, par contre, le poisson, là, il y a un... Qu'il avait... Il m'a redonné toute ma vie. Ça, c'est assez cool. Ok, nous sommes 100. Et nous allons gagner. Bon, alors. On a été à Frenzy Farm. Maintenant, on va aller à Lazy Lake. Lazy Lake, qui est un mélange entre Lazy Lagoon et Loot Lake. Ça a donné Lazy Lake. Bravo. Donc on va voir cette ville, Lazy Lake. De toute façon, c'est obligé, je les ai tous découvertes. Mais genre, j'ai été là-bas juste en coup de vent pour les défis, pour dire, ah ben voilà, c'est là, j'ai débloqué la ville. Mais j'ai pas spécialement visité. Hein. Donc du coup, ben, on va profiter de cette vidéo pour visiter. Donc, c'est parti. Par contre, ça se voit que je suis en manque de batterie. Parce que les FPS, bonjour, hein. Enfin, si vous les voyez là en haut du bouton émote. Mais voilà. Oh non, pas déjà. Oh mais ce game, mec, elle comptait pas. Le gars, il avait déjà une arme, moi j'en avais pas. Par contre, je sais pas si je fais une autre game parce que regardez, je bug. Après, peut-être que ça se voit pas à la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, je sais comment faire pour avoir plus d'FPS. En fait, on va regarder parce qu'en fait, les FPS, j'ai remarqué que ça dépend quand on regarde genre une image avec beaucoup de détails, par exemple des arbres, des gens, les détails des maisons, les graphismes et tout. Par contre, si je me mets à un endroit où il n'y a que de l'herbe, que du vert, et que je regarde par terre, et ça c'est une image facile, du coup ça fait directement monter mes FPS. Vous verrez. Donc du coup on y va. Regardez, et là-bas,